Joy Hallyday, ce rituel de Noël dont raffole, préparé par sa célèbre marraine. Hélène Darroze est une amie privilégiée de Laetitia Hallyday, l'une des plus fidèles alliées de la veuve de Johnny Hallyday qu'il a même choisie pour marraine de sa fille Joy. En juillet dernier, c'est avec bonheur que la chef retrouvait son amie et sa filleule au Longines Paris Eiffel Jumping. Sa petite Joy Hallyday, qui a bien grandi, elle la connaît par cœur, notamment ses goûts culinaires. Dans les colonnes de Madame Figaro, en kiosque le 23 décembre, Hélène Darroze se livre sur ce rituel qui fait craquer sa filleule et qui lui fait penser à elle chaque année au moment des fêtes. C'est avec du berawaka, un délicieux pain de fruits secs que fait Christine Ferbé en Alsace, que j'aime accompagner cette terrine de foie gras de canard poché dans un vin chaud aux épices. Confie la jurée de Top Chef. Depuis qu'elle est petite, ma filleule Joy Hallyday l'adore. Alors, où qu'elle soit au moment des fêtes, je lui envoie une terrine. C'est notre rituel, chaque Noël. Elle l'attend et, moi, je la prépare en pensant à elle et à son père, qui ne mangeait pas de foie gras, mais qui m'avait fait l'honneur de goûter cette recette et de l'apprécier, continue Hélène Darroze. Cette année, avant Noël, Joy Hallyday a eu le droit à une toute autre surprise mais qu'elle a su parfaitement savourer. 5 ans après la disparition de son rocker de père, le clan Hallyday s'est déplacé à Bruxelles pour assister à l'exposition qui rend hommage au chanteur légendaire. Laetitia était accompagnée dans cette belle aventure par ses filles Jade, 18 ans et Joy, 14 ans, et son compagnon Jalil Esper. Joy, qui semble ne pas passer une journée sans avoir une pensée pour son père, avait opté pour une robe noire dont le buste était fait en moumoute, un look spécial pour une soirée spéciale, décrivait-elle sur Instagram. Quant à Jade, elle s'est dévoilée dans une mini-robe dorée. Un look aussi pétillant que les souvenirs laissés par son père. 5 ans après le drame, le trio de femmes de Johnny Hallyday est toujours aussi soudé par l'amour et le rock'n'roll.